à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Fin du procès pour vol et viol en réunion. Nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Basse-Terre. Un homme se rend à Cayenne en voyageant dans le train d'atterrissage d'un avion. Plus d'informations dans cette édition. Et enfin, 1 milliard d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Trop ou pas assez? Nous vous avons posé la question. C'est un procès pour le moins sordide qui s'est tenu à Basse-Terre cette semaine. Trois jeunes accusés de vol et viol en réunion alors qu'ils étaient encore mineurs. Les faits s'étaient produits en 2016 à Bois-Jolon et à Gosier. Marius Mathieu a couvert pour nous le procès. Et la tension était encore palpable ce matin devant la cour d'assises des mineurs de Basse-Terre. C'est le dernier jour de procès et nous apprendrons ce jeudi soir après délibérer le verdict pour savoir si trois jeunes seront définitivement reconnus coupables de vol à main armée, enlèvement et viol en réunion, des faits très inquiétants qui s'étaient produits ici en Guadeloupe en octobre 2016, secteur Gosier et Bois-Jolan. Trois garçons mineurs s'étaient alors reconvertis dans l'horreur à l'occasion de deux sombres nuits en carjackant des automobilistes et comme si cela ne suffisait pas, ils séquestrer et violer les passagères. Au moins deux femmes se présentent comme victimes dans ce dossier. Selon nos confrères de France Antilles, les trois accusés étaient connus des services de police pour des délits mineurs, mais leur casier judiciaire était vierge. La naïveté, l'insouciance, voire la bêtise semble être un des traits de caractère commun des trois hommes, des jeunes adultes qui étaient âgés de 17 ans pour deux d'entre eux et 18 ans pour le troisième, ce qui pose réellement la question suivante. La minorité peut-elle être une circonstance atténuante dans de telles circonstances? Pour ces faits gravissimes, une personne majeure pourrait être condamnée à 20 ans de prison ferme. Verdict dans quelques heures. Les élections municipales risquent d'être musclées aux abîmes. La preuve avec cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit alors des échanges houleux entre les deux candidats, Éric Jalton et Olivier Servat. C'était lors d'une réunion de quartier mardi soir. Un vol Pointe-à-Pitre Cayenne dans des conditions plutôt insolites. Un homme a réussi à relier les deux villes en se cachant dans le train d'atterrissage de l'avion. Les faits se sont déroulés samedi et depuis les autorités multiplient les réunions de crise. Grégoire Trudman s'est rendu à l'aéroport. Oui, je suis actuellement à l'aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbe où a eu lieu ce week-end un événement assez insolite puisqu'un homme, un SDF a priori, aurait réussi à s'introduire sur le tarmac et à se glisser dans le train d'atterrissage d'un avion jusqu'à ce qu'il arrive sur l'aéroport de Cayenne. Alors, l'événement est assez incroyable puisque l'homme a réussi à survivre dans des conditions assez exceptionnelles. Il fait environ moins 48 degrés lorsque l'avion est dans les airs puisque l'avion circule à plusieurs milliers de mètres d'altitude et que le vol a duré 1h40. Alors, dès son arrivée sur le tarmac, l'homme a été pris en charge par une équipe médicale. Mais aujourd'hui, c'est la stupeur dans les équipes de l'aéroport. Alors, ce qu'on a pu me dire aujourd'hui, c'est que cet événement est extrêmement grave, mais qu'il n'est pas exceptionnel et qu'il arrive assez régulièrement à travers le monde. Ce matin, une réunion de crise a été mise en place par la préfecture avec l'ensemble des autorités compétentes pour faire la lumière sur cet événement, pour déterminer les défaillances qui ont pu avoir lieu durant cette journée de samedi où l'événement s'est déroulé. Mais surtout, on affirme haut et fort dans l'aéroport aujourd'hui que toutes les mesures ont été prises de manière à faire en sorte que cet événement ne puisse pas se reproduire à l'avenir dans l'aéroport. Il faut sauver Notre-Dame de Paris. Quelques jours après l'incendie, les initiatives se multiplient pour récolter des fonds en vue des réparations. Certaines cagnottes en ligne ont d'ailleurs été lancées le soir même de l'incendie. C'est le cas ici, en Guadeloupe. La cagnotte en question a récolté près de 45 000 euros en moins de 48 heures. Mais si les dons affluent, vous êtes plusieurs à ne pas soutenir la démarche. Le montant global a dépassé le milliard d'euros aujourd'hui, une somme démesurée pour certains. Alors qu'en pensez-vous ici en Guadeloupe? Nous vous avons posé la question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais on fait un peu trop. Il y a autre chose, il y a la faim dans le monde, il y a plein de choses à prévoir avant de pouvoir, de vouloir... réparer déjà dans 5 ans, ils disent. Dans 5 ans, on peut faire plein de choses pour le monde. La solidarité, c'est bien, mais je trouve qu'il y a un petit peu trop d'argent recueilli pour la reconstruction. Un milliard d'euros en stock, moi je trouve que c'est beaucoup. L'hôpital a brûlé, ça fait déjà 2 ou 3 ans même. On ne fait rien. Bon, la construction a commencé jusqu'en 2000,
23. Et là, subitement, je ne sais pas d'où vient l'argent, si ça tombe du ciel, eh bien, ils ont trouvé de l'argent pour Notre-Dame. Alors, c'est un peu étonnant quand même. Hein? Donc, ce qui nous prouve que l'argent, eh bien, quand il faut trouver, on en trouve. Et qu'ils ne disent plus qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas une priorité. On a tellement de problèmes, mais tellement de problèmes à régler. Dans les Outre-mer, mais aussi en métropole, il y a tellement de choses. Il n'y a pas longtemps, il y avait les gilets jaunes qui étaient dans la rue et qui sont encore dans la rue. Mais il y a des problèmes qui soulèvent, qui sont très importants. Et je pense qu'ils méritent d'être réglés avant Notre-Dame. Une autre cagnotte pour une autre cathédrale a vu le jour également cette semaine. Il s'agit de venir en aide à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Seulement, les montants récoltés n'ont pas dépassé les 200 euros. Le créateur de la cagnotte a d'ailleurs décidé de la fermer le lendemain de sa mise en ligne. Rassembler les jeunes autour de la musique, c'est l'ambition du défi lycéen, un concours de chant qui regroupe cette année plusieurs lycées de la Caraïbe. La finale se tiendra alors samedi au hall des sports Paul Chonchon. On écoute tout de suite l'organisateur de l'événement. C'est un rendez-vous de passion. C'est un rendez-vous qui me plaît à plusieurs titres. Humainement, tout d'abord, parce que pour faire ce type de manifestation, il faut aimer les gens, il faut aimer ses voisins de la Caraïbe. Donc c'est un rendez-vous humain très important, c'est un rendez-vous culturel, c'est un rendez-vous artistique. Et puis il y a aussi cet aspect pédagogique qui nous tient particulièrement à cœur. Donc le défi lycéen, c'est tout ça en même temps, un événement artistique et culturel, mettant en lien les différentes îles de la Caraïbe. Autour de la musique en général et du chant en particulier, ben, nous créons ce lien, nous permettons à des jeunes de se confronter, effectivement, de montrer au public leur qualité, leur savoir-faire et leur talent, mais nous leur permettons également d'être ensemble, parce que à côté, en amont de ce défi, ben, il y a toute une résidence qui se passe, où les jeunes, ben, ils sont en train d'échanger. On a Martinique avec Saint-Martin, on a Sainte-Lucie, Guyane, on a Haïti avec Porto Rico. En fait, c'est un petit peu ça, ce brassage caribéen, qui est important pour nous, qui permet de mieux se connaître. La Guadeloupe et la Martinique vont se partager le Dragon 971. C'est la solution qui a été trouvée suite à la panne du Dragon 972 en Martinique. Cette décision reste néanmoins temporaire. Le ministère de l'Intérieur se donne un délai supplémentaire pour entériner ou pas cette option. Le Banello se refait une beauté pour ses 50 ans. Le club de basket pointois a présenté hier soir son nouveau logo, symbole de l'ambition pour les champions de Guadeloupe en titre. On écoute tout de suite le président du club. Je crois que c'est l'amorce de notre anniversaire. Donc à partir de ce soir, avec le nouveau logo, ça nous donne d'autres prérogatives. Et nous, on va mettre en valeur la marque Banello. Et à partir du 25 septembre prochain, nous allons fêter les 50 ans de Banello. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Fin du procès pour vol et viol en Réunion, le verdict est attendu pour ce soir. Un homme se rend à Cayenne en voyageant dans le train d'atterrissage d'un avion, 2 heures de vol à moins 48 degrés. Et enfin, 1 milliard d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame, un montant démesuré pour certains. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.